Le Mag, toujours à la Fashion Week à New York, où Monique L'Huillier a poursuivi sa tradition chic et sophistiquée pour sa prochaine collection printemps-été. Pour le printemps, je travaille avec des tissus très fins. On peut donc voir les différentes couches dans la collection. Et puis cela parle aussi de couleurs brillantes. Il y a ces très beaux rouges fuchsia et corail. Beautiful reds, fuchsias, corals. Des robes à bandes iconiques. On est bien sur le défilé Hervé Léger avec à la tête de la création de la griffe Max et Lubov Azria. Nous voulions mettre en avant un peu de sportswear. On a vraiment pensé au sportswear et à la façon de porter des vêtements à coordonner pour Hervé Léger. La femme est une île ou une oasis, c'est selon. En tout cas, c'est le message très joie de vivre qu'a voulu faire passer Diane von Furstenberg. J'appelle vraiment cette collection Printemps Oasis parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est une oasis de paix, d'harmonie et de couleurs et de joie de vivre. À un moment où le monde est si terrifiant. À noter sur ce défilé, parce que rarissime, l'apparition à 43 ans de Naomi Campbell qui a mis en émoi public et photographe.